Monsieur Poulvord, je tiens par ce billet à vous faire part de mon indignation. Mon indignation, d'ailleurs je ne suis pas le seul, on est beaucoup à penser comme ça, suite à votre vidéo, passée à la télévision, dans laquelle vous insistez pour que les gens se laissent pousser la barbe en signe de contestation contre le fait qu'on n'ait pas de gouvernement. Monsieur Poulvord, nous sommes en crise politique, je vous le rappelle. Et une crise politique ne se règle pas à coups de boutade, mais à coups de réunions, de discussions, de négociations qui prennent des heures et des heures, parfois même des nuits entières. Et ces gens qui travaillent pour nous dans l'ombre, dans les bureaux, dans la nuit, pour trouver une solution à cette crise, vous, monsieur, avec vos attitudes ridicules, vous anéantissez tous leurs efforts. Ce n'est pas bien, monsieur. Ce n'est pas bien de faire ça, surtout en une période difficile comme celle-ci. Alors, monsieur, c'est irresponsable ce que vous faites. C'est puéril et de toute manière, c'est stérile. Alors sachez, monsieur, que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Et je propose, moi aussi, j'invite à mon tour les gens qui ne sont pas d'accord comme vous, pas d'accord avec vous, qui sont d'accord avec moi, pour dire qu'ils croient encore au travail des hommes politiciens qu'on a choisis, nos élus à nous, que c'est nous qui les avons choisis, que ces gens-là qui croient encore en tout ça et qui veulent le respecter, en signe de protestation, se rasent les couilles, toutes les deux, bien net. C'est mon ami Michel ici qui a eu l'idée, hein, Michel. Il y a quelques semaines, il a fait « Viens montrer tes couilles, Michel. » Michel va vous montrer. Non ? Ah. Bon, Michel ne veut pas montrer. Je vais vous montrer les miennes. Voilà. Alors, rasez de près, bien net, comme ça, hein ? Toutes les deux. Voilà, monsieur Poulvord. Et sachez qu'en Belgique, vous ne faites pas la loi, hein ? C'est compris ? Alors voilà. Que tous les Belges se lèvent, et dans la rue, quand vous verrez quelqu'un qui se gratte les couilles, vous saurez que le mouvement solidaire est en route. Je ne vous dis pas au revoir et je ne vous dis pas merci. C'était bien, Michel ?